Micheline Boucher, et en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits reçus à l'intention de Laetitia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Au début de cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes et demandons au Seigneur de nous purifier de nos doutes, de nos manques de confiance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'épanouit, elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur?
le Seigneur Dieu a parlé, qui refusera d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tisson sauté de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenu à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Méditons ensemble le psaume. Seigneur, que ta justice me conduise. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça le vent et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent?
Nous avons lu ce passage il y a 2 semaines, le dimanche. Je voudrais m'attarder sur cette dernière affirmation des apôtres. Quel est donc celui-ci? Vous savez que les apôtres étaient en formation. Jésus les a choisis, ils n'étaient pas trop instruits, ils ne savaient pas grand-chose. Ils étaient en formation. Au fur et à mesure, ils découvraient davantage qui est celui qui les a appelés. Ils ont été déjà témoins de plusieurs miracles. Ils grandissaient dans la connaissance de Jésus. C'est ce que je voudrais retenir pour notre méditation aujourd'hui. En une année, on ne peut même pas savoir, on ne peut même pas prétendre savoir tout sur Jésus, sur la foi, sur l'Église. Non, ce n'est pas possible. Chaque année, chaque jour, chaque semaine, on découvre davantage, on fait une nouvelle expérience de foi. Et oui, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à Jésus. Jésus va leur dire, oui, certes, pourquoi êtes-vous si craintif? Mais il ne les blâme pas. C'est une observation. Il observe que ses amis sont, ils ont peur. Mais il ne les blâme pas. Il va continuer à les former jusqu'au pied de la croix. Même après ça, il va leur donner encore la force de son esprit pour qu'ils aillent porter la bonne nouvelle. Donc, demandons la grâce au Seigneur de vivre toujours une expérience nouvelle. De foi qui nous permet de le connaître davantage, de l'aimer davantage, de le servir davantage. Et oui. Mais n'hésitons pas et n'ayons pas honte et ne soyons pas trop prétentieux. Ne nous laissons pas gagner par l'orgueil pour dire non, on est fort, on n'a pas besoin de l'appeler. On a toujours besoin de l'appeler au secours. Et rien n'est impossible. Mais la confiance va nous mettre dans une assurance, dans une sérénité. Au fur et à mesure que je découvre qui il est, mais je deviens de plus en plus serein. Après l'événement de la Pentecôte, les apôtres ont été persécutés violemment. Ils ont été bastonnés, mis en prison. Mais on disait, quand ils sortaient de prison, ils étaient fiers d'avoir subi de telles épreuves pour le nom de Jésus. Ils n'avaient plus peur parce qu'ils savaient que Jésus était avec eux, dans la barque. Maintenant, quoi qu'il arrive, ils n'ont rien à craindre. Voilà. C'est un peu l'aboutissement de cette expérience de foi. Il nous plonge dans la sérénité, dans la confiance. Et je voudrais lire quelques extraits du poème de Sainte Thérèse d'Avila, quand elle dit « Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Quelques versets. Que confiance et foi, vive, maintiennent l'âme, celui qui croit et espère obtient tout. Confiance et foi, une foi vive, maintiens ton âme dans la sérénité, car en vérité, celui qui croit et espère, il obtient. Mais quand on dit tout,
C'est le tout, ne renferme pas les choses banales. Le tout, il est en harmonie avec ce que le Seigneur désire pour lui. Il fait corps avec la volonté de Dieu. Donc quand tu demandes, sa demande correspond à ce que Dieu a projeté lui donner. C'est ça. Ce n'est pas parce que je crois que je vais demander des choses qui ne me sont pas utiles. Non. Celui qui croit et qui a une foi vive et qui espère, quand il ouvre la bouche pour demander, sa demande correspond effectivement au plan de Dieu pour lui. Sur sa vie. Je vais terminer par ça. Il dit, même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. C'est beau, hein? C'est comme le Padre Pio qui disait, même si le diable me pousse jusqu'aux portes de l'enfer, je n'ai rien à craindre, parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Il va libérer ses belles paroles et je serai sauvé. Alors demande-toi à la Mère du ciel cette confiance et cette foi vive. Qu'elle nous fasse goûter davantage à une expérience de foi qui nous fera grandir dans l'amour pour son Fils. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment. Il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant.
Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » De nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Lise Diogne, sœur Diane Follet, Micheline Boucher, Nicole Fignon. Accueille-les dans la lumière
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Laetitia. Sur tous ceux qui ont perdu la foi. Tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont perdu l'espérance au Dieu de leur baptême. Pour les malades, les personnes en fin de vie, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs, à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais laisse-moi parler de
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie. Bienheureuse Élisabeth et Jean. Bienheureuse Élisabeth et Jean. Bienheureuse Élisabeth et Jean. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.